Bonjour à tous et bienvenue dans, ce, dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je, je lisais des articles sur Twitter pour ne rien vous cacher et je suis tombé sur une déclaration de Sandrine Rousseau. Et voilà ce qu'elle dit. Nommer son enfant dès la naissance c'est décider à sa place de son identité de genre. Alors, ceci m'a fait un petit peu réagir dans le sens où, il y a quelques jours, j'avais lu qu'un universitaire de Cambridge avait déclaré que le Christ, que Jésus, était un transsexuel. Alors bien sûr, vous voulez, vous voyez là où je veux en venir, c'est toute cette idéologie wokisme qui est en train de complètement envahir l'Europe occidentale et qui avant avait fait de même avec les États-Unis. Mais si vous vous faites attention un petit peu à l'actualité, vous savez que les États-Unis sont toujours un an ou deux en avance sur ce qui se passe en Europe. Et pour l'instant, aux États-Unis, il y a des réactions assez fermes et qui vont tout à fait dans l'esprit contraire de ce qui s'est passé. Je prends un exemple pour étayer mon propos. Si vous ne le savez pas, la firme Walt Disney, donc Disney, quasi euh, est en train de, de promouvoir le wokisme et la transsexualité, les problèmes sont l'identité de genre. Or, le, sénateur, le gouverneur pardon, Ron DeSantis, futur candidat à l'élection présidentielle américaine, s'oppose totalement à ce mouvement, comme on pourrait dire, comme un réactionnaire, sauf que... À tout mouvement qui va dans un sens à l'extrême, le balancier de l'univers le renvoie dans l'autre sens. Nous sommes allés trop loin, nous, pas forcément vous ni moi, mais je dirais que le monde, est allé, le monde occidental est allé trop loin en accordant trop d'importance à ce mouvement, et le balancier risque de repartir dans l'autre sens avec une forte répression. Il ne s'agit pas de dire si on est pour ou contre, encore une fois la voyance ne fait pas ce genre d'allusion, on n'est ni pour ni contre, on constate, on constate ce qui se passe. Je vais regarder donc avec vous comment va évoluer en Europe occidentale ce mouvement sur le wokisme qui cherche de toute manière à s'implanter partout. Euh, avoir une liberté, c'est bien, imposer votre liberté, aux autres, c'est finalement les priver de leur propre liberté. Regardons comment va évoluer ce mouvement wokisme en France. Avec cette transsexualité et cette identité de genre euh, qui, qui devient omniprésente, hein. euh, vous avez des administrations où, euh, quand vous dites, euh, on vous propose des formulaires où vous ne vous dites pas si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez aussi mettre euh, non-genré ou indéfini. Vous voyez, il y a un moment, yes, trop c'est trop, si vous voulez. Et le danger n'est pas pour moi ou pour vous. Le danger est simplement que, encore une fois, en allant trop dans un sens, on finit toujours par le payer très cher dans l'autre. Et regardez, on tombe bien sur l'identité de genre. Avec la carte de la renommée, le nom, hein, le nom, le nom commun, le, la ». C'est déjà l'identité de genre et on va sur une carte jupitérienne, à un mouvement qui cherche à prendre de l'ampleur, qui cherche à s'implanter au jour le jour. C'est finalement ce qui se reflète avec cette affirmation de Sandrine Rousseau, qui cherche justement eh bien, à ne plus avoir de genre chez nos enfants. C'est tout simple, ça commence là, c'est ce qu'elle dit, hein, je vous le redis, nommer son enfant dès la naissance, c'est décider à sa place de son identité de genre. Et je vous disais que la carte en parle tout à fait, on a bien la carte de la renommée, le nom. Nommer. C'est la même racine. L'identité de genre devient un vrai sujet, un sujet d'inquiétude pour certains et un sujet de contrainte pour d'autres. Il y a une opposition et curieusement, la vidéo précédente d'hier faisait allusion sur le RIP que dans quelques temps nous aurons un référendum sur cette problématique de l'identité de genre. Alors, justement, ce qui va aller contre, vous voyez que, que finalement, cette identité de genre, on en parle depuis quelques temps, euh, on en a parlé sous François Hollande, où on a vu les premiers prémices arriver, hein. euh, on est en train de, je parle par une référence par rapport à Najab Aloubek qui, qui avait déjà cherché à imposer quelque chose euh, à l'école, qui étaient les tout premiers prémices, on n'en était pas là où on en est, et vous voyez qu'en quelques années, Peut-être quoi, mais même pas dix ans. Même pas dix ans. La culture LGBT, et au-delà de la, de la culture LGBT, c'est vraiment l'idée du transsexualisme, du wokisme dans sa, dans sa globalité, qui est en train de complètement bouleverser la société européenne, la société occidentale. Là aussi, on peut y voir quelque part euh, une opposition par rapport à la, à la Russie de Poutine, par exemple, hein, qui ne tolère pas du tout ça. Alors, ce n'est pas, pas pour ça que c'est bien ou que c'est mal. Encore une fois, il n'y a pas à juger, il y a juste à observer. Et là, quand on regarde, on sent que ce qui va aller contre l'évolution du wokisme, c'est une forme de changement d'attitude avec du mercurien. Et on peut se dire, on peut tout à fait voir que finalement, la tolérance qui était montrée, qui commençait à se montrer, va se rédire, va se rédire et complètement changer de comportement. Encore une fois, on pourrait tout simplement se dire que trop c'est trop et que ça va trop loin et qu'à force de, de, de demander des libertés, c'est une chose, c'est qui était accepté. Les libertés, les gens se faisaient à cette idée, laissaient, apprenaient une forme de tolérance. Or là, nous avons de plus en plus une idée wokisme LGBT qui prend le pas et qui essaye d'imposer sa propre vision à des gens qui ne souhaitent pas être dans cette mouvance. Le souci, c'est que nous sommes passés d'une société tolérante en quelques années, nous avions il y a quelques, si je remonte un petit peu plus loin, il y a une dizaine d'années, une société intolérante qui est en train de devenir tolérante et qui va complètement basculer dans une, un retour en arrière d'intolérance parce que ce mouvement LGBT est en train de vouloir imposer sa propre vision des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait parler, je mets des, je mets des, des grosses parenthèses, hein, euh, de, de personnes qui étaient... Victime d'une forme d'intolérance à des gens qui transforment les autres maintenant en propres victimes parce que eux imposent leur point de vue je ne sais pas si je suis très clair j'espère quel est le conseil quel est le conseil à donner à cette mouvance lgbt Nous avons ici une carte mercurienne. Mercure, à nouveau la communication. Il semble bien que tout repose sur la communication. Et nous avons la carte d'entreprendre, d'entreprendre une forme d'équilibre, d'entreprendre quelque chose qui permet de construire ensemble. C'est donc bien un appel de l'oracle à non pas freiner, à non pas poursuivre une forme de euh, d'omniprésence dans tous les domaines mais c'est une forme de sagesse finalement de trouver c'est un appel à trouver un équilibre ce qui veut dire que quelque part l'oracle comprend très bien que en ce moment il y a un déséquilibre et qu'un déséquilibre profond est en train de s'installer face à deux mouvances une mouvance lgbt et une mouvance anti-LGBT. Alors, vous voyez que finalement, cette mouvance LGBT va découvrir que tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple, ça va prendre encore quelques temps. Mais ils vont comprendre aussi que quelque part, ils sont allés trop loin. Et que en voulant imposer une vision totalement, euh, presque fanatique, je dirais, sur la transsexualité et sur l'identité de genre, on en est arrivé à ce que les personnes rejettent totalement les idées. C'est-à-dire que des gens qui, qui étaient dans cette mouvance LGBT, et plus particulièrement dans une forme de transsexualité, parce que c'est ça qui est au cœur de... Euh, de l'attitude, c'est cette identité de genre où nous ne sommes plus un homme et une femme, quelle que soit l'orientation sexuelle, mais nous devenons une autre identité. Un homme devient une femme, une femme devient un homme. Et c'est ça là, c'est cette idée là qui va être totalement rejetée. Rejetée parce qu'à force d'aller trop loin, Sandrine Rousseau en est un exemple dans les politiques l'université de cambridge sur cette déclaration que, que jésus était un trans là aussi va trop loin c'est mon sentiment à un moment les affirmations ne prouvent rien et que à l'époque de jésus à l'époque romaine la transsexualité n'existait pas il faut bien en être il y avait évidemment des gens qui, ne, qui étaient homosexuels d'autres bisexuels. D'ailleurs, la sexualité était beaucoup plus euh, libre sous l'époque romaine qu'à notre époque. Je vous conseille de ne pas lire les livres d'histoire, mais de relire un petit peu plus des auteurs de l'époque, hein, euh, soit dit en passant. Mais là, il y a une forme de crispation qui va s'installer. Nous sommes sur quelque chose où on va trop loin. et quelque part je dirais que cette mouvance va s'en apercevoir va mais va s'en apercevoir et va essayer une autre approche non pas sur la communication pure mais sur le fait de mettre l'argent en avant avec une idée finalement et eh bien que, que l'argent comme malheureusement souvent va devenir le nerf de la guerre nous ne sommes pas sortie de cette euh, de cette approche et de cette mouvance transsexuelle d'identité de genre qui va chercher à s'imposer partout et qui va chercher finalement à imposer ses codes ses valeurs sa vision des choses sa vision de l'histoire parce que comment va-t-elle agir face à l'histoire Et vous voyez que là, quelque part, nous sommes à nouveau dans les émotions. Nous sommes à nouveau dans le cycle lunaire. Et quelque part, avec les pénates, c'est un moi intérieur. Elle va essayer de s'approprier l'histoire. C'est ce que reflète cette idée de Cambridge euh, à propos du, de Jésus qui est un transsexuel. C'est de remettre en cause tout. Tout dans l'histoire. Et quand on remet en cause tout, eh bien, je dirais que on n'a plus d'imite. Quand on remet en cause ce qui s'est passé sur les camps de concentration, ça s'appelle du révisionnisme. Vous savez que ça va même être, que c'est déjà puni par la loi. Et bien là, il y a un révisionnisme, non pas par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45, à propos des camps de concentration, à propos du nazisme, mais là, c'est la même approche avec un révisionnisme de l'histoire pour, pour revoir l'histoire finalement à travers un prisme de transsexualité et d'identité de genre. c'est un danger pour la construction européenne, c'est un danger pour la civilisation européenne et c'est une modification en profondeur de l'histoire sans base réelle. on pourrait se demander quel est le but Eh bien, le but est tout simplement de couper tout lien avec la réalité et de transformer, par une approche très agressive et très volontaire, l'histoire de l'Europe telle qu'elle s'est construite. C'est un rejet, finalement, de la construction occidentale. Mais pas occidentale telle qu'elle est actuellement, mais sur quoi l'Occident s'est construit, sur les valeurs, sur lesquels l'Occident s'est construit à une époque. Peut-être entendrons-nous entendrons un jour dire que Napoléon était transsexuel, et qu'en réalité c'était une femme. Vous voyez, on a, je vous donne un exemple complètement ridicule, bien sûr, mais vous voyez, on va en être là. Et c'est ce genre d'absurdités qui vont commencer à poindre le bout de l'enronné au fur et à mesure des mois et des années. Il y a une réelle mise en garde. C'est aussi une mise en garde sur la direction que souhaitent nous prendre des gens comme finalement Sandrine Rousseau. Alors tous les écologistes et tous les gens de, de la France insoumise et de, de la NUPES ne partagent pas les valeurs de Sandrine Rousseau, bien entendu. Il ne faut pas toujours mettre les gens dans le même panier. Mais quelque part, cela doit éveiller nos consciences aussi de qui nous choisissons pour nous représenter. Il faut savoir ce que pensent les représentants du peuple. Ça ne veut pas dire encore une fois que je m'octroie le droit de juger si c'est bien ou si c'est mal. C'est simplement un avertissement. C'est de se dire, attention, nous sommes dans une phase où il y a une mouvance qui est en train de prendre le pas sur toutes les autres, qui est en train d'imposer ses valeurs et qui est en train d'imposer une réécriture de l'histoire au fil du temps. Attention à ce que nos politiques ne soient pas dans cette valeur-là, parce que s'il y a réécriture de l'histoire, il y a mensonge de l'histoire. Il y en a déjà suffisamment. Peut-être n'avons-nous pas besoin de nouvelles modifications de l'histoire. Juste de nouvelles modifications pour éclairer d'une autre façon ce qui s'est réellement passé ou qui étaient les personnes. On sait très bien que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Il y a des choses qui sont édulcorées dans notre histoire, c'est vrai. Je prends toujours l'exemple de Jeanne d'Arc. Hein. Euh, Jeanne d'Arc, euh, soi-disant, morte sur le bûcher à Rouen. On sait, et je ne suis pas le seul voyant à le dire, il y a aussi des historiens qui ont de sérieuses oppositions à ça. Il ne faut pas, <coughs> Pardon. Il ne faut pas que nos valeurs... Bouge au fur et à mesure face à la pression de mouvements qui ne sont que des mouvements d'identité de genre. Mais il ne faut pas non plus aller dans un rejet total et une privation de liberté face à ces mouvements. L'équilibre est la clé de tout. Et regardez, c'était bien ce que nous disait l'Oracle, lui conseillait à ces mouvements de trouver un équilibre entre personnes dans les mouvements transsexuels, LGBT, et les personnes qui n'y sont pas. L'équilibre est la clé de l'Occident, de l'avenir de notre Occident. C'est un mouvement qui va bouger au fil des années. Il y a des choses à voir. Et je pense que quelque part, les avertissements sont là. Il faut que chacun de nous se demande ce qu'il acceptera ou pas et quelles seront les dérives et les conséquences qui se passeront. Il n'est pas question de juger encore une fois, il est juste question de constater dans quelle direction nous allons et pour l'instant la direction est une remise en question des fondements finalement euh, des valeurs voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. Euh, le but n'était pas de heurter qui que ce soit, hein, mais le but est de voir dans quelle direction nous allons. Vraiment. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à très bientôt.